Bienvenue à tous au Bowling du Mans pour la 9e édition de la Cubica AMF Bowling Promotion Cup en compagnie d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Pour info, il y a deux manches partout et nous sommes dans la dernière manche avec l'anglaise Sarah Wood qui attaque de la plus belle des façons avec un strike. C'est parti effectivement avec ce super strike et on retrouve la russe Olga Kovostova qui nous vient d'Irkoutsk en Russie, dans le sud de la Russie. Une joueuse, vous allez voir, avec une technique très classique. Qui arrive mi-poche, et elle fait 7. Commence pas très bien pour son équipe. Regardez, on revoit l'action au ralenti avec cette boule qui finit pratiquement droit. Elle n'a pas pris d'effet, la boule. Et elle laisse ce split pour commencer ce match. Et pas très bien d'attaquer avec un split. Elle se prépare pour sa fermeture. C'est parti. Et elle laisse une quille. Dommage, elle avait bien joué cette deuxième boule. Et l'américaine Amy Vial pour le team Vega sur la frappe numéro 2. L'équipe est sur un strike. Elle pourrait doubler. Non, elle laisse un washout sur cette deuxième frappe. On enchaîne avec la française Faustine Levra sur la frappe 2. Et qui rate de peu le strike. Elle avait mis une boule à gauche. Elle a tenté le strike Brooklyn et c'est la plus jeune joueuse, je le rappelle, de ce match avec 16 ans seulement. Face à Amy Vial qui a plus de 35 ans, qui tente le spare, dommage. Boule un petit peu lente en fin de piste et donc elle laisse une open frame dans sur son deuxième lancer. Et la française qui devrait fermer normalement, Hélène. Oui, c'est dans la poche, impeccable. Et un petit point sur les scores, 26-19 pour le team Vega avec la Roumaine Laura Piros qui a plus 7, vous le voyez sur l'écran. Une joueuse très sympa, je le rappelle, mais qui a participé à plusieurs Coupes du Monde aux finales mondiales, dont l'année dernière au Mexique. Et qui fait un super strike sur cette frappe numéro 3. Un petit avantage pour l'équipe Vega, on dirait. Tandis que se prépare Sofia Ulsted pour la Norvège. Ah, c'était pas mal joué ça non plus, mais il en reste une. Une boule avec énormément d'effet pour la gauchère. Regardez, on la revoit cette boule, elle flirte la rigole et regardez cette action en fin de piste. Et elle touche très très fin la quille 1. Et là, un mélange de quille, bon c'est quand même normal, elle aurait très bien pu laisser un split. On a très bien pu laisser la quille 6 qu'on a vu tomber au dernier moment. Mais néanmoins, un spare normalement relativement facile pour une joueuse de ce niveau. Beaucoup d'énergie. C'est dommage, elle rate cette boule. Ah oui, un gros serreur de la Norvégienne. Et je pense que l'américaine Farah Schneider n'en demandait pas tant. Cette joueuse qui nous vient du Michigan. Sur la frame numéro 4. Boule fine et elle laisse la quille 4. Une boule, je pense, relativement facile pour cette joueuse. Jacqueline Vitura sur la frame 4. Jacqueline qui nous vient d'Autriche. Et qui a une boule vraiment très régulière. C'est dommage, elle rate son strike. Alors regardez Hélène, on revoit cette boule au ralenti. Elle a manqué de friction en fin de piste. Et elle laisse cette quille numéro 7. Et c'est une joueuse, vous verrez, avec un très très fort potentiel. L'américaine sur le spare. Et voilà, une formalité, je vous disais, facile. Le match est tendu, je vous dis, là c'est la dernière partie. Ça va se jouer sur ses dernières frames. L'Autrichienne, normalement un spare relativement facile. Et juste, elle a failli la rater, mais bien joué. Et 56, regardez Hélène, 56-47 pour le team Vega, avec notre Française numéro 2 dans ce match, car nous ne l'avons pas précisé.
Il y avait la jeune Faustine Levra, mais également Estelle Bain, qui est en équipe de France, et qui a une petite avance de 9 quilles. Nous allons la voir sur cette frame numéro 5 à mi-parcours. Ah là là, elle nous fait un split. Un gros split, hein, Hélène. On revoit l'action ralentie, la boule pique complètement en fin de piste, elle arrive pleine. Elle aurait très bien pu laisser une quille supplémentaire, le Big Four, mais elle laisse que ses 3 quilles. Je pense qu'elle va en tenter 2 avec sa boule en plastique, cette boule rouge en matière plastique. Et voilà, 2 quilles. Elle laisse revenir l'équipe rouge, hein, l'équipe Team Sirius, avec la joueuse professionnelle Karen Marcano, qui fait partie de la Ligue Pro US, la PWBA, Ligue Féminine. Une joueuse d'expérience. Sur cette frame numéro 5. Une boule qui arrive un peu à gauche. Elle était pleine, Eden, cette boule, ouais. Mais Karen Marcano a un style parfait. Je pense qu'on va revoir. Regardez, ouais, son approche. Premier pas pour se mettre dans la ligne de jeu. Le deuxième pas pour accompagner. Push away sur le troisième pas. Backswing sur le quatrième pas. Et petite glisse et équilibre parfait au moment du lâcher. Vraiment un style à recopier, hein, pour toutes les joueuses qui regardent ce match. Nos jeunes joueuses françaises, n'hésitez pas à recopier Karen Marcano. Beaucoup de style dans cette manière d'avancer sur l'approche. Une grande concentration. Ah, elle nous laisse 2 quilles malheureusement. Dommage, car elle avait l'opportunité de revenir, Hélène, dans ce match. Et Sarah Hood, l'anglaise, qui garde son petit coussin d'avance, hein, c'est 11 quilles, on est tout le temps sur ces 10, 11 quilles d'avance pour le Team Vegas sur cette frame. Numéro 6, et un nouveau washout. Décidément, c'est le deuxième, hein, qu'on voit pour l'équipe Team Vegas. Je crois que c'était Amy Vial, l'américaine, qui avait laissé un washout, et malheureusement, l'anglaise fait la même chose. Olga Kvostova pour la Russie. Ah, j'ai vraiment cru au strike. Elle nous laisse la quille 10. Elle avait très bien joué cette boule. Alors l'anglaise va-t-elle tenter ce spare difficile? Concentrée, l'anglaise. Toujours une dizaine de quilles d'avance pour son équipe. Ça serait bien qu'elle spare. Allez, c'est parti. Ah, dommage, elle laisse 2 quilles. La porte est ouverte là pour le Team Sirius. Si la Russe fait ce spare, elles sont revenues. Hein, elles vont revenir. Je pense que ça devrait être une formalité, cette quille 10 pour cette joueuse russe. Ouh, aïe aïe, Hélène, une open, décidément, c'est incroyable. Il y avait l'opportunité de revenir et elle n'en a pas profité. Amy Vial, qui vient du Massachusetts. Bon, ça va, elle a su limiter, il reste 2 quilles, une fermeture qui semble simple. Amy Vial qui a fait ce 8, mais une boule un petit peu lente, hein, pour l'américaine. Regardez Faustine Levra, la jeune française, une boule beaucoup plus rapide. Et strike. Très bien joué cette jeune française, elle nous épate, hein, car 16 ans, elle tient la dragée haute à ces joueuses qui ont plus de la trentaine. Incroyable. En tout cas, son papa est dans les tribunes, je sais qu'il était très content. Sa maman aussi. Spare impeccable pour Amy Vial. Amy Vial qui maintient son coussin de sécurité, 90 à 80. Alors, c'est pas des très hauts scores, on peut le dire, hein, parce que ces joueuses, normalement, évoluent sur des moyennes à plus de 200. Et là, elles ont du mal, mais bon, c'est un match en Baker System, en équipe. Chaque joueuse joue qu'une frame, donc c'est pas évident. Alors, Sofia Hulsted pour la Norvège. Boule fine. Et elle laisse la quille 7, Hélène. Ouais, la quille la quille 7. Et peut-être aussi que les conditions de jeu ne sont pas simples non plus. Laura Piros de Roumanie. Le strike là aussi n'était pas loin. Ça se joue souvent de très très peu. Ouais, sacrée joueuse, hein, la roumaine. Alors, Sofia pour le spare. Elle a déjà taillé une quille tout à l'heure.
Oh non, celle-ci était super bien jouée. Elle est tombée vraiment au dernier moment, cette boule. Incroyable, regardez. Regardez là, la boule. Vraiment, elle tombe à la dernière seconde. Incroyable, je suis vraiment dégoûté pour elle, franchement. Et Laura Pirro sur le spare. Alors, apparemment, c'est une joueuse plus précise que la Norvégienne. Et regardez, pas de souci. Elle ne rate rien. Apparemment, elle a eu un petit problème aussi. Elle a eu un petit accro hein, sur l'arrivée, sur l'approche. Elle a eu un problème de glisse. Jacqueline Vetura, maintenant, on approche de la fin du match et le Money Time, Hélène, sur la frappe numéro 9. En tout cas, on dit qu'on reconnaît un bon joueur, une bonne joueuse, car il fait tout en strike à la 9. Et regardez, je pense qu'on peut dire que Jacqueline est une grande joueuse, strike à la 9. Et elle met la pression sur Farhan Schneider, l'américaine, sur cette frappe 9. Ah là là, Farhan laisse un split. Ah ouais, il est malvenu ce split, Hélène, il est malvenu. Ça va être serré le match, c'est tendu. Parce que là, si elle rate ce spare, enfin c'est un split en même temps, mais c'est pas simple. Oui, que se passe-t-il? Eh bien, je pense que l'équipe Team Sirius, hein, l'équipe rouge, va revenir dans le match. Ça va se jouer à la 10. Suspense jusqu'au bout, car on vous le rappelle, il y a déjà eu 4 matchs, donc il y a 2 matchs partout. Et là, c'est le 5e. Et personne ne veut lâcher. C'est parti pour l'américaine. Et elle laisse une quille, donc Hélène, regardez, 126-108, mais le strike de Jacqueline n'est pas compté. Donc si, je vous fais un petit point sur les scores, si Karen Marcano fait un strike, elles sont revenues. Et tout, d'où l'importance hein, de cette boule, on voit que Karen se concentre énormément. Elle rentre dans sa routine de concentration. Elle souffle un peu dans le pouce. Hein. Elle visualise sa ligne de jeu. Concentration. Allez, c'est parti. Boule fine et strike avec la 10 hein, qui est tombée au dernier moment. Elles sont revenues. Alors là, attention. Pression énorme sur la française. Regardez cette boule qui arrive fine. Et la 6 qui tape le kickback et qui amène la 10. Cette boule est parfaite. Une grosse pression pour la jeune française. Allez, il faut pas faire split, hein. Il faut au moins faire un spare ou un strike, ça serait bien. Boule à gauche, oui, boule à gauche, Hélène, elle laisse la quille 9. Et il y a de la pression là, c'est la fin du match. 135-128, je vais faire un point rapide hein, sur les scores. Il faut de toute façon que la française fasse son spare. Elle n'a pas le choix, il faut réaliser le spare pour espérer. Une erreur de la vénézuélienne, mais le match enfin le destin est dans les mains de la vénézuélienne. Pour le moment, la française va subir cette fin de partie. Allez, il faut le spare, elle n'a pas le choix. C'est bien joué, c'est bien joué. Allez, Karen Marcano, si elle fait strike, c'est gagné, Hélène. Si elle fait strike, le match est dans la poche. Le titre est pour le Team Sirius. Bien sûr. Dieu sait qu'elle nous en a fait des strikes sur les parties précédentes. Elle est volontaire. Regardez son mari avec un petit téléphone en train de filmer derrière. Allez, c'est parti pour la vénézuélienne. Strike. Et non, aïe, 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 6-10 là-dessus, elle laisse deux quilles. Ouh là là, mais attendez, je fais un... Ouais, si... Écoutez, c'est simple. Si la française fait strike, ça fait 146. Et si la vénézuélienne fait spare, ça fera 146. C'est-à-dire qu'on aurait une égalité. Hélène, c'est incroyable. Ça n'est jamais arrivé dans notre compétition en Baker System. Ça serait une première. Ça serait une première. Alors, de toute façon, la française, il faut striker. On va voir si elle a le mental. Cette boule est bien partie. Et strike. Incroyable, incroyable. Je n'y crois pas. Quel mental. Ah ouais, elle a des sacrées ressources, cette Estelle Bain. Attention, parce qu'il ne faut pas le rater. Sinon, c'est perdu. Karen, faut le spare. Oula, juste spare. Hélène, on va se retrouver pour le tie-break. Hélène, sur deux frames. On va vous expliquer ça dans quelques instants. Super configuration. Allez, on est reparti donc sur le tie-break. Donc, je vous explique très vite. Il y a deux frames, la frame 9 et la frame 10. Les deux équipes sont à égalité. C'est Jacqueline Vetura pour l'Autriche qui attaque cette frame numéro 9. La main chaude, elle a fait un strike tout à l'heure. Aïe, dommage, elle laisse la 10. Dommage, elle a mis une super boule, Hélène.
Regardez, on la revoit, cette boule qui prend beaucoup de tours. Regardez ses rotations sur la piste. Dommage, l'angle est pas bon, la 6 passe devant comme d'habitude la 10. Oui, c'est vrai que c'est dommage, Bruno. En ce qui concerne les joueuses, comment ont-elles été choisies? Alors, c'est les deux capitaines d'équipe qui ont décidé de l'ordre et de qui allait jouer. Et donc, dans cette équipe Sirius, donc c'est Jacqueline qui a décidé de faire jouer Karen à la fin sur la frame 10. Et dans l'autre équipe, c'est Estelle Bain. Alors, Sper, là, pour l'Autrichienne, très bien joué. C'est Estelle Bain qui a choisi de faire jouer, regardez, Laura Piros. Et c'est pas tout à fait étonnant car Laura a fait strike Esper sur le match d'avant. Elle est confiante, la Roumaine. Et attention, Hélène, cette première boule est très importante car en face, il y a un Sper. Si elle arrivait à striker, elle prendra un ascendant psychologique. Et oui. C'est parti pour Laura. Belle boule, ça, et strike. Oui, aïe, 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 c'est parti. Que c'est accroché. Sur des sacrées bases. Et donc, la pression est du côté des rouges. Du côté du Team Sirius avec Karen Marcano. Ah, Karen, il va falloir qu'elle strike, elle le sait. Alors, je vous rappelle aussi pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas bien les règles du bowling, sur la frame 10, on peut avoir trois possibilités de faire un strike. Donc, c'est pas encore fini, bien évidemment. Alors, il y a 10-10, mais il y a avantage au strike car on compte les deux boules suivantes pour l'équipe Vega. Et alors que pour la Team Sirius, on ne compte que la boule qui arrive là pour Karen. Allez, c'est parti pour la Vénézuélienne. La boule est mal jouée, elle arrive à gauche et elle laisse la 6. Elle laisse la 6, Hélène. Ça fait pas ses affaires. Elle rejoue son spare directement. Donc, longue concentration. Elle a un petit peu dépité, la joueuse vénézuélienne. Mais bon, c'est une joueuse remarquable sur les spares. Elle rate jamais ses qui seule. C'est une joueuse professionnelle, je vous rappelle. Allez, c'est parti. Normalement, ça devrait être une formalité. Oui, pas de souci. Pas de souci, attention. Alors là, on est sur un strike. Si la Française fait strike, il y a un énorme avantage. Allez, Estelle, c'est vraiment très important cette boule. Bon lancé. Oh, c'est magnifique, bravo, ce strike est parfait. Allez, super strike, et là, attention. 29-30, mais le doublé n'est pas compté encore totalement. La joueuse vénézuélienne avec un strike va avoir 39 points. Si elle arrive à le faire, oui, strike, 39, il faut que quelques quilles, il faut quelques quilles. On va pas faire deux fois rigole, Hélène, c'est pas possible, j'ai envie de vous dire, c'est gagné pour le Team Vega et pour la Française Estelle Bain. Elle doit être contente, c'est sa première participation dans cette belle compétition qui est la Cubica MF Bowling Promotion Cup. Et elle entame cette tournée de la plus belle des façons avec une victoire. 7, c'est fini, c'est gagné, Hélène. Elle est contente, la Française, elle est toute en retenue, il y a ses parents juste à côté, là au bord des pistes. Une joueuse qu'on a appris à découvrir cette année, très sympa. Enfin, je n'imagine même pas l'émotion qu'il doit y avoir. Et elle joue cette dernière boule et je vous dis à très bientôt pour plus de bowling, Hélène. Et on se retrouve très vite pour le match des garçons. À bientôt.